ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il me touche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau, qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi, je tuerais ma foi. Chant qu'il me ferait venir infâme, mais je ne suis qu'une femme, et je l'ai tellement dans la peau. C'est comme je vous le dis, monsieur le docteur. Oh, mais c'est pas possible, Hilde Roncaud. Ah, il est vrai que je n'y comprends rien. Monsieur le docteur, qui est toujours debout à 8h, et voici qu'il est bientôt midi. Oh, eh bien, voilà, le sœur, hein. On voit que monsieur ne connaît pas monsieur. Mais bon, entre nous, j'y confierai ma femme, hein. Et vous, vous êtes marié? Moi? Ah, non. Oui, bon, bon, en attendant, si vous nous donnez un peu de jour, hein. Comme on dit chez moi, il fait noir comme dans le cul d'une taupe, ici. Bien, monsieur. Oh, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour un désordre. Mais qu'est-ce que monsieur a bien pu faire pour mettre tout ça dans cet état? À moins d'être sous comme 36 bourriques. Dis donc, Étienne. Oh, ce n'est pas le cas de monsieur, hein. Un homme qui ne boit que de l'eau de Vichy. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, son chapeau neuf. Oui, bon, bon, hein. J'aimerais bien voir votre maître, hein. Il me semble que ça ne serait pas du luxe de le réveiller, surtout à cette heure-ci. Oui, mais doucement pour commencer, hein. Entendu, entendu. J'ai entendu comme un grognement d'animal! Oh, c'est monsieur qui se réveille! Ah bon? Petit Pont! Monsieur? Hé, hey, Petit Pont! Oh. Eh ben, mon vieux! Oh, quel imbécile! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu m'en fais! Hé, Petit Pont! Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Ton lit? C'est ça que tu appelles ton lit? Tu es sous le canapé! Eh, quoi, je suis sous le canapé? Où ça, le canapé? Qu'est-ce que ça veut dire, je suis sous le canapé? Ah. Ben, tiens, tu ne me crois pas, hein? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Qu'est-ce qui a mis ce canapé sur moi? Ah, que j'ai mal à la tête! Est-ce qu'il fait jour? Oui, encore un peu, mais bon, dépêche-toi si tu veux en profiter. Monsieur veut-il que je l'aide à s'habiller? Foutez-moi le camp, vous! Ah, parce qu'il est grincheux quand il couche sur les canapés. Où est madame? Madame est sortie, elle est allée jusqu'à l'église. Oh, toujours imbue de religion, ta femme? Ah oui, elle est surnaturelle. Ne s'imagine-t-elle pas maintenant qu'elle est voyante? Enfin! Alors, ça ne va pas? Monsieur se lance dans ce qu'il ne connaît pas? Monsieur se met de faire la noce? Mais c'est toi qui m'as entraîné dans ces endroits d'orgie! Ah non, hein? Je t'ai tout simplement dit, Petit Pont, avant de rentrer, je crève de soif, hein? Nous venions de passer 2 heures à faire une opération des plus compliquées. Quand on ouvrait vente, ça vaut bien un boc, non? Et tu m'as emmené où? Chez Max! Je t'ai proposé un 5 minutes, hein? C'est pas ma faute à moi si 5 minutes s'est prolongé. Parce que pendant que tu dormais, toi, hein, petit malin, sous le canapé. Eh bien, Bibi, à 8 heures, il était debout avec ses malades. À 11 heures, j'avais vu tout le monde, y compris notre père d'hier. Ah, eh bien, comment va-t-il? Ah, c'est fini! Ah, ben il est sauvé! Non, il est froid! Aïe! Le pauvre était condamné, hein? Ben oui, eh ben je te disais bien que l'opération était inutile. Mais une opération n'est jamais inutile. Elle peut ne pas profiter à l'opérer, mais profitera toujours au chirurgien, si tu vois ce que je veux dire. Alors, regarde-moi, mon vieux. Oh, tu es flappé. Tu as la gueule alignée. La quoi? En latin, la gueule de bois, docteur Petit Pont. Tu as donc le vice de la boisson. Ah, mais non, mais je me suis dit, un savant doit tout connaître. Ah bon, si c'est pour la science, excuse-moi. Ouais, et ben en attendant, me voilà fourbu et raté. Les bras et les jambes cassés, un véritable invalide. L'invalide à la gueule de bois, oui. Ah, mais c'est malin, hein. Monsieur est en fin de route? Eh ben, c'est pas trop tôt. Ouais,
quel autre chien, Gabriel. Dis-moi, est-ce qu'on est à sur ma figure? Pas du tout. Ah, te voilà, tu es levé. Eh bien, dis donc, tu en as fait une grasse matinée. Mon chéri, bonjour. Bonjour, ma biche. Bonjour, monsieur Mojibou. Bonjour. Oh, mais regarde-moi. Oh, mais tu en as une mine. Oh, ah bon, tu trouves? Ben, je sais pas trop ce que j'ai ce matin, je me sens un peu tout chaud. Oh, mais tu es vert. Mais qu'est-ce qu'il a, docteur? Il a la gueule alignée. Oh, c'est grave. J'en réponds à lui. Oh, merci. Oh, mon pauvre ami, alors comme ça, tu as de là... Gueule alignée. Gueule alignée. Ah, la gueule de bois. Oh, mais il faut absolument le soigner. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien lui faire prendre? Je ne sais pas, le tire-montant, peut-être. Ah, un peu d'alcool. Ah non, hein, pas d'alcool. Hein. Oh, mais alors, quel remède, docteur? Oh, des tisanes, du thé, un peu de citron, voilà ce qu'il lui faut. Bon, je vais tout de suite en commande. Oui, c'est ça. Oh, mais qui m'aurait dit que tu te réveillerais dans cet état quand ce matin, tu dormais d'un sommeil si paisible? Tu n'as même pas senti que je t'embrasse. Hein? Tu m'embrasses? Oui. Dans ton lit? Eh bien, bien sûr, dans ton lit. Tu dormais enfoui sous les couvertures. Je t'ai embrassé sur le peu de peau qui émergeait de tes draps. Quoi d'étonnant? Non, rien. Bon, je vais chercher le thé. Oui. C'est ça. Elle m'a embrassé dans mon lit et je dormais sous le canapé. Ouais? Hey, comment expliques-tu ça, toi? Je cherche. Qu'est-ce que t'as dit? Moi? Mais j'ai rien dit. Mais si, tu as fait... Mais non, c'est pas moi. Mais comment ça, c'est pas toi? Et tiens! Mais oui. Mais ça vient de mon lit. Salut les loups! Mais madame, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'où sortez-vous? Mais fais-moi ce que je sors. Mais ben, tu sais bien. Mais je ne comprendrai pas, mais voilà une idée. Mais pourquoi il fout dans mon lit? Ça va se promener, j'ai juste l'instruction. Pikachu, et ben là, mon cravate, parbleu. La danseuse du moulin rouge. Tu l'as dit, Foufi. C'est mourant. Et ben, puisqu'on s'est pochardés tous les deux, hein. Et tu m'as ramené à ton domicile. Oh la vache, c'est bien chez toi. Les tableaux, hein. Oui, c'est du Bugnat, du Picasso. Du Bugnat? Eh ben, mon cochon. Oh, qui nous d'un chien. Quoi? Mais alors, le baiser sur le front dans mon lit, c'était la môme crevette. Gabriel a embrassé la fesse de la môme crevette. La vie est pleine de surprises. Il y en a en plein des fois. Et allez donc. Wouh! C'est pas mon père. Mais allez-vous-en, madame, moi. Vous pouvez venir, moi, je suis un homme sérieux, vous ne pouvez pas rester ici. Je t'adore. Mais voulez-vous vous rhabiller, hein? Oh, crinon d'un chien, Gabriel, viens, cache-toi. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais cache-toi. J'ai envoyé Étienne acheter un citron. Ma femme! Sa femme, madame Petitbon. Bon, tu me présentes au docteur, maintenant. Enchantée, oh, madame. Mais non, mais je disais, mais tu me laisses jamais finir. Je disais, madame Petitbon, ma femme... Ne trouves-tu pas qu'on étouffe ici? Ici? Non. Mais si, allons prendre... Ah, mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Oh, 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 oh. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est là de poser? Cette étoffe. On dirait une robe. Ah, qui nous a chié la robe de la môme. Aïe. Oh, mais oui. Mais bien sûr, c'est une robe. Mais quelle drôle d'idée d'apporter ça dans ton cabinet. Oh, mais depuis quand elle l'a? Ben, je ne sais pas. Je l'ai remarqué, ça n'y était pas cette nuit. Mais il me semble que c'est ce matin. Hein, n'est-ce pas, mon Gigou? Oui, oui, c'est ça, oui. Ouais, eh bien, c'est une erreur, c'est pas plus si je la ramène. Mais non! Mais qui? Mais non! Mais qui? Oh, une étoile filante! Ah! Ah! Ce n'est pas une erreur. Seulement, c'est une bonne idée d'amener ça chez toi. Voilà. Comment? Oh, bah, pendant ce temps-là, j'envoie des emails à ma couturière. Ah, ta couturière? Mais oui, elle devait déjà m'amener cette robe hier. Hein? Alors moi, ne voyant rien venir, bien sûr. Oh, oh mais laisse tomber. C'est un peu chatoyant. Mais bon, une fois n'est pas coutume. Ah, toi, franchement, t'as une façon de manipuler les toilettes. Si on les laissait entre tes mains, vrai. Ah, là. Bon, mais c'est bon, elle est partie. Oh, voici l'autre à présent. Ah, c'est pas pour dire. Mais t'étais plus amoureux hier soir. Oui, mais je suis comme ça le matin. Maintenant, allez-y, hop, dépêchez-vous. Oh, oh, mais tu peux me dire tu. Ah, alors, dépêche-toi. Là. Le nom d'un chien. Ah, ma mère. Effie. Effie. Où as-tu ça? Mais tu m'as pas regardé, mon petit père. Je suis habitué à ce qu'on ait des égards auprès des femmes. Ah oui, ben, on va t'en donner des égards. Combien? Ben oui, quoi, hein.
Il n'y a pas à mâcher ses mots, t'es une femme d'argent. Je te dois une indemnité pour ton dérangement, alors combien? T'es un muf, toi, tu le sais, t'as des façons. Si j'avais pour deux, c'est l'idéal. Ah oui, mais ça, comme tu n'en as pas. Je ne m'attends pas, moi, tu seras. Ah non, non. Ah ben, alors ça, c'est très bien. Alors je te remercie beaucoup pour ton dérangement et à une prochaine. J'ai que c'est un petit cadeau, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon, enfin, comme il s'agit de ma tranquillité, je n'y regarderai pas. Voilà. C'est pour la bonne! Non, je ne sais pas, moi! C'est pour les deux! Non, mais tu plaisantes, j'espère! Bon, bien alors, fais ton prix et finissons-en! Oh, est-ce qu'il est mignon! Mais qui c'est qui me demande de l'argent? Mon petit coco! Alors d'abord, je ne suis pas ton petit coco! Je ne suis le petit coco de personne! Est-ce que j'ai une tête de petit coco? Oh oui! Bon, ben, on y va! Ah! Et puisque tu veux absolument me faire un petit cadeau, eh ben tiens, la robe que j'avais hier soir, hein! Tu te souviens? Je la dois, tu la paieras, v'là tout! V'là tout! Bon, ben combien ta robe? 500 balles! Hein? 500 francs! Un euro! Euro! Oh, mais comme tu comptes bien! Là, maintenant, allez, hop! Bon, ben, ma robe... Quoi, ta robe? Oui, quoi, ma robe? Eh ben, je ne l'ai plus, ta robe, elle est partie, on n'a plus là. Paf, plus de robe, c'est fini, là. Comment ça, paf, plus de robe? Ben, où est-ce qu'elle est? Qui est-ce qu'il a? C'est ma femme qui l'a prise. Oh, d'ailleurs, ça, je crois que t'as très bien entendu tout à l'heure. C'était de ma robe que parlait ta femme? Ah, ben, mon salaud! Eh ben, t'as pas peur? Donnez ma robe, si tu crois que je vais te faire pour ta femme? Une robe à 500 balles, j'espère bien que tu vas me la rembourser. Hein? Mais je viens de te la payer! Ah oui, mais tu me l'as payée pour que je la garde, hein? Pas pour que je la donne! Oui, mais alors ça fait deux robes! Eh oui, celle que tu me donnes et celle que tu me prends! Ça me paraît bien raisonné! Oh, qui nom d'un chien, Gabriel, bien casse! Ah, mais elle est toujours pourrie, oui, elle est toujours pourrie, là! Allez, hop! 4 m'a dit, le ciel vous a choisi pour de grandes choses. Bientôt, vous aurez la visite d'un séraphin qui vous éclairera sur la mission que vous aurez accomplie. Allez. Ça va, ma biche? Et il est venu, le séraphin? Je l'attends. Ah ouais, ah ouais. Mais elle est folle, t'as pris ma femme. C'est moi qu'on appelle. Oh, mon Dieu. Ma fille, resserre-toi. Je suis le séraphin dont tu attends la venue. Le séraphin, vite, le séraphin, genoux, vous autres, à genoux. Mais pourquoi ça? Mais le séraphin est là. Vous pouvez le voir. Mais je l'entends. Je le vois. Il me parle. Non, mais il en a une santé. À genoux. Voilà le citron. Chut. Mais tiens, le crinon d'un chien. Tiens, c'est bouton. Et à genoux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a sur le lit? Oh, malheureux! C'est un séraphin! Rendez grâce au ciel qui vous met au nombre de ses élus. Ce que vous voyez et que je vois, aucun de ces messieurs ne le perçoit. Femme, tu m'écoutes? M'écoutes-tu? Je suis tout oreille. Tu vas te lever sans perdre un instant. Et d'un pas rapide, tu iras jusqu'à la place des remparts où tu feras trois fois le tour. Donc tu feras 7 fois le tour. Pas bête. Puis tu attendras à côté de la statue du général Chérel jusqu'à ce qu'un homme te parle. À moi? Va, ma fille. Pour ton roi, pour ta patrie. Pour mon roi, pour ma patrie. Va, et emmène les domestiques. Ah, Lucien, les moments sont précieux. Oh, le séraphin est venu. Il m'a parlé. Et je sais de lui ce que le ciel attend de moi. Mais quoi? Mais tu te fais peur. Là-bas, place des remparts, à côté de la statue du général Chérer, un homme doit me parler. Un homme? Pour la patrie. Pour la patrie. Pour la patrie. Le roi du séraphin. Oh. Oh. Eh ben, mon Dieu. Ah, c'est vrai, hein. Plutôt. Sky up above, sky is king.
crush you have to know to die. Till it's over. And then le général Petit Pont du Grélais. Annoncez-moi. Eh bien, qu'est-ce que vous faites devant cette porte ouverte? Oh, Mariette. Oh. Oh, pardon, mais c'est ma nièce. Dieu pardonne. Faites pas attention. Un oncle, c'est pas un homme. Bonjour, ma nièce. Eh bien, salut, monsieur. Je suis le général Petit Pont du Grélais. Ah. Vous ne me connaissez pas, car il y a 9 ans que je n'ai pas quitté l'Afrique. Mais mon neveu a dû vous parler de moi. Votre neveu? Eh bien voilà, c'est moi. Quel coquin. Mais je lui ferai mes compliments, mon neveu. Je ne sais pas quel idiot m'avait dit qu'il avait épousé une toupie. Eh bien, des toupies comme ça, c'est dommage qu'on ne s'en fiche pas quelques escouades dans les régiments. Ah, général, général! Mais dites-moi, vous n'êtes pas malade, que vous n'êtes encore pas habillé. Non, du tout, du tout. J'ai fait la grasse matinée. J'attendais pour me lever et qu'on m'apportait un vêtement. Tant un vêtement? Ah, tant un vêtement, tant un vêtement. Vous avez reçu ma lettre? Non. Vous n'avez pas reçu? Eh ben non. Enfin, vous la recevrez. Mais vous connaissez ma nièce Clémentine. Clémentine? Mais si, Clémentine. Clémentine? Allons, voyons, Clémentine bourrée. Ah ben oui, Clémentine, la petite bourrée. Eh bien voilà, je crois que je ne pouvais pas trouver mieux. Comprenez, moi j'ai beau être général, je n'ai rien de ce qu'il faut pour être une mère. Et puis moi j'aime les femmes honnêtes qui ne font pas leur mijaurée. Bref, pour en revenir à Clémentine, vous comprenez, si j'avais encore eu ma femme, mais ma pauvre générale, vous savez, je ne l'ai jamais autant regretté. Eh bien, n'ayant plus de femme pour Clémentine, je me suis dit, il n'y a qu'un moyen, c'est de lui trouver un homme. Et voilà pourquoi la petite épouse dans 8 jours, le lieutenant Corignon. Corignon? Du 12e dragon? Vous connaissez? Ah, ben ça, si je connais Corignon. Comme c'est curieux. Et vous le voyez souvent? Mais vous êtes-tu rigolo, mon général, hein? Wouh, un petit comique! Un petit rigolo, moi? Un petit comique? Ah, bah oui, je suis un petit comique. Tenez un gag. Monsieur et Madame Talu ont 4 fils, vous savez comment ils les ont appelés? Non? Jean, Jean, Jean et Jean, les 4 Jean Talu. Eh bien, ce Corignon, j'ai eu longtemps sous mes ordres en Afrique avant qu'il permute. Un bon soldat, de l'avenir, vous savez. Ah, Corignon, mon cochon, ça me redonne un béga pour lui. Alors voilà, le mariage a lieu dans 8 jours. Demain, contrat dans mon château en Touraine. Et je suis dû vous demander sans façon à vous et à mon neveu de m'accompagner. Je vous le répète comme je vous l'ai écrit, j'ai besoin d'une mère pour cet enfant et d'une maîtresse de maison pour faire les honneurs. Vous ne pouvez pas me refuser votre assistance. Non, non, ça c'est trop drôle. La môme crevette qui va faire les honneurs au mariage de Corignon. Non, rien que pour voir sa tête. Je ne sais pas où cet animal des tiennes a encore fourri ma robe de champ. Ah! Ah, te voilà, toi. Ah, ben ça alors, c'est mon oncle. Ah, oh, mais c'est mon oncle du Grélais, oh, ben ça! Ah oui, ben ton oncle! Oncle. Oh. Ah oui, c'est ton oncle! Embrasse-moi, que diable, mais qu'est-ce que t'as? Ah, oh, ben ça, alors! Ah, oh, mais si je m'attendais depuis 10 ans! Ah! Oh. N'est-ce pas, je le disais, ça va lui en faire une de ses surprises! Ah, oh, mais vous êtes bien aimable! Ah, oh, mais ça, si je m'attendais! Ah. Oui, alors tu l'as déjà dit! Alors, tel que tu, moi, j'arrive d'Afrique avec ta cousine Clémentine! Ah! Et vous n'êtes pas à Paris pour longtemps! Yeah. Ah non, non, je pars tout à l'heure et tu pars avec nous ce soir! Moi! Oui, et ta femme vient avec toi. Ma femme, qui ça, ma femme? Quoi ça, ma femme? Quoi, qu'est-ce que tu me chantes? Elle n'est pas ta femme, elle? Non. Que je trouve chez toi, moitié nue, couchée dans ton lit, au domicile conjugal? Qu'est-ce mais que... mais ça qu'est-ce pas que ma... c'est, alors? C'est pas ma femme, là! Alors, tu vois bien que c'est ta femme. Ah, t'en as de drôle. Et à ce propos, laisse-moi te faire des compliments. Elle est charmante, ta femme, et peut-être même un peu plus. Ah, général, général! Si, si, je dis ce que je pense, je dis ce que je pense. Figure-toi qu'on m'a dit que t'as épousé une vieille toupie. Oh!
quoi? Qu'est-ce que vous voulez encore? Voici une robe qu'on apporte de chez la couturière pour madame. Ah ben c'est bien donné. Eh ben, voilà encore une preuve que madame est ta femme. Ces vêtements qu'on apporte pour elle. Non mais, je vais avoir l'air d'une ouvreuse moi avec ça. Ouf, ça va encore mieux que rien. Ah, qu'est-ce qu'elle va en faire en effet en Touraine? Qu'est-ce qu'elle va les révolutionner les bons provinciaux? Ouais, ben ça j'en ai peur, hein. Voilà tout ce que j'ai pu trouver. Oh, oh mon nom, quoi si mon cher ami. Le docteur Mongicou, mon oncle le général Petit Pont du Grélier. Un général enchanté, Petit Pont m'a parlé de vous. Je pars en Touraine marier une de mes nièces. À propos, je ne t'ai pas dit qui elle l'épouse, tu vois, comme c'est curieux, le lieutenant Corillon. Oh! Et ta femme a dit que vous le connaissiez. Ah! Comment ça, ta femme, elle est ici? Ça y est, j'ai compris ma mission. Quand même. Cinq fois un bonheur. Ah, cher ami. Voici mon nom. Le général Petit Pont du Grélier. Un général. Je suis heureuse. Au revoir, général. Je vous laisse avec mon mari. Je vous fais toutes mes excuses, monsieur. Je ne me suis pas douté un seul instant que j'avais affaire à madame votre femme. Elle? Pas du tout, non? Mais comment pas du tout? Mais si, mais absolument si. Mais ça, c'est ma faute. Mais mon oncle a raison, madame Mongicou. Eh bien, voilà. Le mal est réparé. En tout cas, je vous fais tous mes compliments. Ça a l'air d'une bien aimable dame. Mais certainement, certainement. Seulement ça, moi, c'est ce que j'appelle une vieille toupie. Voilà, je suis prête. Ah, voilà ma nièce. Non, mais alors, parce que je dégote avec ça. Et allez donc! Wouh! C'est pas mon père! Ah, qu'est-ce qui est drôle! Et allez, hop! C'est pas mon père! Mais dis donc, elle me va tout à fait, ta femme! Un petit gavroche! Ouais, un voyou, ouais! Alors, c'est bien convenu à 4h05 à la gare? C'est ça, mon oncle! D'ailleurs, si j'ai le temps, je veux passer vous prendre. C'est ça, rendez-vous ici. Ah, ben non, à la gare, ça vaut mieux! Voilà! Non! Ce sera mieux ici, comme ça, on sera quitte de se manquer! À tantôt, ma nièce! Et allez, hop, c'est pas mon père. C'est ça, mon oncle. Et allez donc, wouh, c'est pas mon père. Elle est charmante, ma nièce. T'entends le mari? Elle est charmante, ma nièce. Qu'est-ce que j'ai entendu? Vous deux, là? Vous partez avec lui? Eh oui! Et si toi, t'avais eu au moins le tact de décliner son invitation en Touraine, hein? Mais quelle tête tu vas faire là-bas? Ah, au milieu de tous ces bons bourgeois de province, dans ce monde de collémenter avec tes oustiquis, tes kistiquis! Et puis t'es y aller donc, c'est pas mon père! Voilà, mais écoute, laisse-moi tranquille, hein! Là, maintenant, Gabriel! Qu'est-ce qu'il y a? Mais ma valise, il faut que j'affiche dans un quart d'heure! Allons, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Le devoir avant tout! Une opération très urgente! Oh, mais tu m'as fait peur! Mais que veux-tu, ce sont les inconvénients de la profession! Je vais tout de suite faire préparer ta valise! Oh, mais s'il te plaît! Eh bien, tu en as un toupet, toi! Eh ben oui! Je peux pas aller là-bas avec deux femmes, on n'est pas des Turcs, voilà! Je vais vous annoncer le lieutenant Corignon. Le docteur Petit Pont? Ah, mais c'est moi, monsieur! Ben oui, monsieur, je vous reconnais! Oh, monsieur, combien je suis confus! Cette sotte altercation de cette nuit! Oh, si j'avais su que c'était vous! Au moment d'entrer dans votre famille, quelle vilaine façon de se présenter! Oh, mon cousin! Oui, mais remettez-vous là, monsieur! Pardonnez-moi, c'est que quand je vous ai vu hier soir attablé avec la môme. Oh, vous savez ce que c'est quand on a aimé une femme! Mais la nuit, quelquefois, on était méché et on aperçoit son ex avec un autre et on a oublié qu'on a fini de s'aimer et on voit rouge! Voilà! C'est ce qui m'est arrivé. Oui! Mais j'ose espérer que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous allez me serrer cette main que je vous tends en agréant mes excuses les plus sincères. Mais comment donc? C'est entendu! Ah, je ne saurais vous dire quel poids vous m'enlevez. Oh, la bonne heure! Oh, et les autres qui doivent venir me chercher! Oh, mais je m'excuse, mais j'ai un train à prendre. Allons, vous partez? Oui, je pars pour la Touraine. D'ailleurs, il est possible que je vous retrouve là-bas. Allons, au revoir, mon cousin. Oui, c'est ça, au revoir, mon cousin. Là, mettons Gabriel, vite, Gabriel! Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Mais voilà, les voilà! Et mon manteau? Oh, mais tu le trouveras dans votre chambre! Oh, qu'est-ce que c'est de ça? C'est pour moi? Non, c'est pour moi. Je la lirai tout à l'heure. C'est bien! Allez! Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah, bah, elle est bien bonne, celle-là! Oh, le général qui nous demande de venir en Touraine pour le mariage de sa nièce! Et qui me prie d'y venir faire les honneurs! Oh!
Oh, mais c'est tout à fait curieux. Il était là tout à l'heure, il ne m'en a pas ouvert la bouche. Oh, mais c'est embêtant. Lucien qui doit partir. Oh, on ne peut toutefois pas s'abstenir tous les deux. Bon, tant pis, ma foi. Avec ou sans lui, j'irai. Voilà, je suis prêt. Oh, Lucien, tu ne m'aideras jamais de qui je reçois une lettre. Oui, ben tu me diras ça une autre fois. Je suis déjà follement en retard. Au revoir, ma bonne âme. Tu m'en donnes chien, mon général. Viens. Viens par là, tu me diras ça. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 10 minutes que nous t'attendons en bas. Je vous apprends et je vous rejoins. Allez. Hé, hey, mais sois pas long, hein. Allez. Parce que c'est relativement facile. Voilà un carton. Bon, il est mal en point, mais... Et en tout cas, il est vide. Voilà un carton vide. Je passe mon petit bras, là, hein. N'est-ce pas? Attention. Oh! Il neige! Et voilà l'objet! Monsieur l'abbé! Monsieur l'abbé! Permettez-moi à mon tour de vous témoigner ma reconnaissance en vous offrant cette cloche en hommage à l'église de votre village. Elle est peut-être un peu culottée, mais elle a l'avantage d'être un objet historique. Rapportée de Saint-Marc de Venise par les soldats du général Bonaparte, elle fut offerte à mon grand-père qui devint général de l'Empire. Mais voilà une belle petite cloche! Maintenant, si elle n'est pas plus grande, c'est que précisément les soldats avaient choisi la plus petite. Attendu qu'une cloche est un objet plutôt encombrant à trimballer en voyage, et surtout en secret. Mais général, mais mon émotion, mais je ne sais comment vous dire. Laissez-moi vous embrasser. Allez-y, l'abbé. Ah, je vous dirais pas que ça vaudrait une jolie femme, mais pour un ecclésiastique, n'est-ce pas? Alors sur la joue, l'abbé. Bon, c'est bon. Posez cette cloche sur cette console et rompez. Ah, voilà mes nièces. Ah, divine, délicate, exquise. Et un chic, une élégance. La reine de l'élégance. Ah, mais vous me charriez, baronne. Tu me charries. Ah, tu me charries. Tu me charries, c'est parisien. Ah oui, mais là. N'est-ce pas qu'elle en a un de succès, ma nièce? Ah, mais madame Petitpont, mais vous êtes adorable, adorable et charmante. Vous allez boire quelque chose? Ah, mais refusez, madame, c'est mal, hein? Ah! Et vous? Quoi, rien non plus? Mais tu me contristes, tu le sais? Vous me contristez toutes! Ah! Et vous, chère baronne? Est-ce que tu seras aussi impitoyable? Une petite coupe de champagne, là? Ben, volontiers! Une larme! Ah, une larme! À la bonne heure! Et une coupe de champagne, il! Le fait est qu'elle a je ne sais quoi, ma nièce! Du chien. Mais va, mon enfant, va. Oui, mon oncle. Ah, je voudrais bien que celle-ci ressemble un peu plus à mon autre nièce. Elle est gentille, c'est entendu, mais c'est une oie. Aussi, puisqu'elle a la chance d'avoir sa cousine, eh bien qu'elle lui demande donc carrément de la dégourdir un peu. Vous voyez d'ici la satisfaction de Corignon en trouvant sa petite provinciale de fiancée entièrement transformée. Enfin, ma chère amie, regardez plutôt comment est habillée madame Petitpont. À la mode, magnifique, so very fashion big time. Oh yeah! Vous pensez bien que je n'ai regardé qu'elle. Ça prouve bien ce que je vous disais, qu'on ne porte que des robes princesses cette année. Voilà. Désolée vraiment pas vous rafraîchir, mesdames. Allez, allez, une petite biche, non? Avec quoi? Rien, rien. La sobriété du chameau. Eh bien, toute réflexion faite, deux doigts d'orangeade. Oh, une orangeade. Petite orangeade. Allez, enlève les bonnes choses. Puis... Ah, ah, j'ai une petite idée pour vous. Et pourquoi pas un petit quattro gazeux? Allez, un petit quattro gazeux. Allez, prends ça. Pour moi
aussi un poitron. Mais alors, je vous fais trois poitrons en trois. Cinq. Six. Cinq. Je vous fais un mètre de poitron. Vous avez vu, ma chère, la jupe est plate par derrière et ouverte sur le devant. La robe n'a pas de manches, donc pas d'épaulettes. Mais j'ai bien regardé la jupe. Elle est de biais, ma chère. Et le volant est en forme, comme je le disais. J'ai vu son jupon du dessous. Il est ample, mais alors ample. Mais non. C'est bien ça. Et notre couturière qui nous fait toujours des jupons trop collants. En nous disant ce qu'elle se comporte à Paris. Au fait, comment avez-vous fait pour savoir? Ah, voilà, j'étais la plus diplomate. À un moment où il n'y avait personne autour d'elle, je me suis approchée et j'ai demandé, madame, je peux voir votre jupon du dessous? Oh, comme ça? Comme ça. Elle a pris sa robe. De la main droite, de la main gauche, comme ça. Et après un jeu de jambes, elle a fait comme ça. Oh, mon ami. Non, ma chère. Il n'y a que les Parisiennes pour savoir s'habiller comme ça. Le général, mais monsieur et madame Guidobin n'ont pas été présentés. Elle va présenter-les. Mais nous aussi, général. Monsieur et madame Guidobin. Ah, madame Guidobin. Enchanté de vous recevoir chez moi, ainsi que monsieur Guidobin. Non, mais général, c'est nous qui nous faisons une véritable fête, n'est-ce pas, Gaston? Ouais. Bonjour, Michel. Oh, quelle jolie toilette. C'est un modèle de Paris. Et bien mignonne. Je ne vous ai pas vu ce matin, jour de marché. Vous avez donc oublié? Non, ma chère, mais figurez-vous que je n'ai pas pu. Mais toutes ces dames y étaient. J'avais pensé y faire la connaissance de cette charmante madame Petitbon, dont tout le pays vante le succès. Au marché? Mais ici, c'est le grand chic. Le marché du vendredi, ce sont nos Champs-Élysées à nous. On se contente de ce qu'on a. Eh bien, tenez, madame Guidobin. Et monsieur Guidobin, je vais vous présenter ma nièce. Oh, mais nous serons ravis, n'est-ce pas, Gaston? Oh, oui. Elle qui faisait autorité ici pour la mode et le ton, la voilà supplantée par une plus parisienne qu'elle. Ouh, ben c'est pas béni, ma chère. Elle nous la faisait trop à la parisienne avec ses. À Paris, nous ne faisons plus que ça. Et à ma chère, à Paris, nous ne portons plus que ça. Tout ça parce qu'elle est née à Versailles et qu'elle va passer tous les ans 8 jours dans la capitale. Ça c'est vrai. Non, mais regardez-la comme elle s'est sortie. Mais non, du tout. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Eh bien, c'est trop d'honneur que vous faites à ma femme. Ah ouais, ben adieu. Oh, comment trop d'honneur? Mais si vous saviez quelle joie c'est pour moi de rencontrer une vraie Parisienne. On en est tellement sevrés dans notre province. Ben adieu. Ah bon, vous êtes sevrés? Je pense. Mais je suis seul, ici, à porter le drapeau du parisianisme. Ah, vous êtes parisienne, madame? Oui, parisienne. Mais dis plutôt que t'es banlieue. J'ai toujours vécu à Paris, ah. Désolée, ma chère petite madame, hein. J'ai apporté ces verres de Cointreau. Ne sois pas toujours sur mes talons. Eh bien, c'est plus prudent. Merci, la sobriété du chameau, pour peu que t'en lâches encore quelques-unes comme ça. Mais quoi, chameau, c'est un mot pour un autre. Ah bien, je préfère. Voilà, mes chères mesdames, vos verres de Cointreau. Merci, monsieur. Ah, te voilà, mignonne. Tu sais, la parisienne, là, elle est pas de Paris, elle est de banlieue, dans le 9-3. Ah, eh ben, je m'en fous. Eh bien, mes nièces, ça va comme vous voulez. Ah oui, mon oncle. Ah oui, mon oncle. Ah oui, mon oncle. Ah oui, mon oncle, c'est pas toi que je demande. Je dis bien mes nièces, c'est pas ma nièce. Non. Oh, mais je vois avec plaisir que vous faites bon ménage, les deux cousines. Ah oui, mon oncle. Tant mieux, bon sang. Ah oui, mon oncle. Tant mieux. Ah oui, mon oncle. Tant mieux, mais ne me réponds pas toujours. Oh oui, mon oncle. Comme une vieille bécasse. Tu ne sais rien dire d'autre, sacré nom de Dieu. Oh, mon oncle. Mais il a bien besoin que vous la dégourdissiez un peu. Et je lui donnerai quelques conseils élémentaires. Bravo. Eh bien, ce sera du joli. Où c'est qu'il est, elle va les pieds. Mais quelle est drôle. Quelle est amusante. Elle a une façon de dire les choses. Mais non, 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 nous priver de tes oustiques, qui pilotent, qui stick, qui pilotent, allez donc, c'est pas mon père. Et à l'instant là. Non, mais tu veux les faire que ça a fait. Ah non, mais c'est inverse, hein. Quoi? Tu me cours sur le haricot. Quoi, tu me cours sur le haricot? Ben voilà une réponse, oh.
Oh, c'est comme ce matin à déjeuner. Oh, comme c'est d'une femme du monde de s'écrier. Ah, ça me tient la belle, vous me faites du bien. Ah, bah, tiens, il me raclette, c'est godillon. Mais je te jure qu'il ne s'en apercevait qu'elle. Ah, bah, c'est bien possible, mais moi je te jure que je m'en apercevais. Oh, j'ai plus où me mettre. Ah, bah, écoute, ferme-la, hein. Quoi? Ta bouche, Minus. Hé, alors, mon cher Abbé. On picole. Oh my god! Oh. Mais que voulez-vous, madame? Mais la soutane ne nous préserve pas de toutes les faiblesses humaines! Non mais non, monsieur l'abbé! Ah, vous en avez une façon si piquante de dire les choses, vous autres parisiennes! Ah, vous nous flattez, monsieur l'abbé, tu nous flattes! Oui, vous nous flattez, monsieur l'abbé, alors vous devez nous flatter! Croyez que, croyez que! Vous désirez quelque chose, madame la duchesse? J'aimerais que mon fils m'apporte un verre d'eau. Mais non, du tout, du tout. Pierre! Pierre! Ben, l'abbé Pierre entre. Madame? Eh ben, mon vieux Bourquin, aidez-moi un petit peu. Un verre d'eau, ah non, plutôt une coupe de champagne pour madame la duchesse. Je suis vraiment désolée, madame la duchesse, mais c'est larbin, son dingue. Mais qu'est-ce que vous faites? Cette expression de larbin dans votre bouche. Mais c'est pas ce mot de larbin. Ah, oh, bah je le connais, sans le connaître. Ça n'est pas drôle. Madame la duchesse, elle connaît pas le mot de larbin. Le larbin ne mange pas de pain comme le lapin, sauf le matin. Enfin, larbin, tu sais plus qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, hein? Mais on dit que ça, larbin, ne produit rien pas d'autre, n'est-ce pas, Gaston? Ouais, ouais. Eh bien, oui, que voulez-vous? C'est un larbin, ça? C'est drôle! Ouais, c'est un larbin. Oh. Oh. Voilà ce que c'est de ne plus être parisienne. Mais je crois bien que je vais être obligée de le redevenir. Voici mon fils majeur, Guy. Maman? Non, c'est un blues grand-fils? Oui, madame. Ah, le Jésus! Et ça grandit. Et ce qui m'inquiète, c'est l'idée de l'envoyer à Paris. Et quel besoin? Mais que voulez-vous? Il faut qu'il travaille. Malheureusement, il ne sait rien à faire. Oh, oui, c'est un crétin. Il n'a pas le choix. Il ne lui reste plus que la littérature. Ah oui? Mais c'est évident. Tout le monde sait plus ou moins écrire. Là, c'est une farce. Mais je conviens que pour cette carrière, il est utile que mon fils vive à Paris. Et c'est ce qui m'inquiète. Le voici majeur, en possession, par conséquent, de la grosse fortune que lui a laissée son père. Ah oui, quand même. Il est très faible. Avec ça, on devient un petit homme. Ah, c'est vrai qu'on devient un homme. Nous savons toutes ce que c'est que la chair. Oh, ouais. S'il lui arrive de tomber sur une de ces femmes, innommable comme il en est... Ah, tu sèches! Le pauvre enfant sera mangé! Mais ne m'en parlez pas! Quand j'y pense... Mais que vois-je? Votre mère est vide! Oh, permettez-moi de vous débarrasser! Le larbin, là! Mais non, du tout, du tout! Quelle charmante petite femme! Et distinguée! Oh, tout à fait! Voilà, madame la duchesse! Voilà qui est fait! Oh, je suis confuse, chère petite madame! Mais non, du tout, du tout! Oh, il est très riche, gentil! Gentil, votre fils! Ah oui? Ah, il me plaît beaucoup! Beaucoup! Oui? Ballon! Ballon! Ah! Que vous me faites plaisir! On est au jardin anglais! Embrasse-moi. Mais embrasse-moi donc, grand amigo. Oui, madame. Bon, bah t'embraye. Oui, madame. Sa maman. Oh, madame. On n'est pas bien comme ça. Oh, si, madame. Alors, embrasse-moi,
si un autre vous avait vu. Ben, tu vas pas recommencer, ou bien? Mais enfin, est-ce que c'est une tenue, ça, hein, avec monsieur sur tes genoux? Mais enfin, voulais-tu que je le mette? Eh ben, nulle part, quand tu seras à Paris, tu feras bien ce que tu voudras. Mais je t'en supplie, pour l'instant, observe-toi. Oh, ben, il est pas méchant. Oh, mon cher duc. Soyez raisonnable pour elle, je peux vous parler à cœur ouvert. Je vois que vous êtes au courant. Et puis, je comprends très bien, hein. Parbleu, elle est jolie, vous en avez le béguin, hein, ben, quoi. Quand vous serez à Paris, vous ferez bien ce que vous voudrez. Mais pour l'instant, on songe à l'effet que ça ferait. Si le général ou quelqu'un d'autre vous avait vu. Oh, mais comment, monsieur, je comprends très bien. C'est vrai, il a raison, madame. Non, mais laissez donc, il est d'un col et monté. Oh, ben ça, c'est... moi, je suis d'un col et monté, j'en appelle au duc. Ah, ben non, ça, vraiment, on peut pas lui reprocher. Alors là, je ne suis pas mécontent, monsieur le duc te le dit. Ah oui, mais monsieur le duc, ne sait pas comme moi. Mais si, mais monsieur le duc, c'est rentré bien. Chut, du monde, Gabriel, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est Gabriel, viens. À tout à l'heure, mon duc. Oh, mon petit duc. Eh ben, qu'est-ce qui lui prend? Ah, j'ai subjugué une femme du monde! Je vais débéguer! Ah, si seulement je peux raconter ça à Momo! Elle a toujours peur que je tombe sur une femme innommable! Oh, oh, tenez, mon ami! Montez donc ça dans la chambre qui m'est réservée! Oh, dans la chambre! Mais laquelle? On n'attend personne! Mais comment ça, laquelle? Il n'y a pas le chapeau, madame Petitpont? Ah si! Eh bien, montez, c'est ma valise! Oh! Ah, j'ai subjugué une femme! Ah! Oh, pardon, madame! Pardon. Oh, excusez-moi, ma tenue de voyage, mais je descends de chemin de fer. Je ne me doutais pas qu'il y ait déjà ce soir réception. Oh, mais madame, vous êtes toute excusée. Mais le général n'est pas là. Il est dans le jardin anglais avec ses invités, oh. Mais il va revenir. Ah, parfait, parfait. Alors profitons-en pour monter, maman. Allez. Bien, madame. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce tocasson? Je mieux, madame, que tu peux. Ah, ils sont là, les pompiers d'elle. Messieurs les pompiers d'elle, mesdames et messieurs. Bravo, bravo. C'est toujours une profonde émotion pour un vieux militaire qui, et par conséquent, je le dis sans aucune forfanterie, aime les militaires, de voir réunis devant lui dans un même élan tout un groupement de militaires. Bravo. Maintenant, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ah si, je vous salue, messieurs les pompiers. Je salue votre drapeau à la personne, si j'ose dire, de votre bannière, ornée d'autant de médailles que la poitrine d'un brave. Ah, bravo, bravo. Oui, oh, ça va. Et comme disait Napoléon à Austerlitz... Austerlitz. C'était pas Austerlitz. Bah. Bref, peu importe. À quoi bon des souvenirs historiques? À quoi bon avoir recours aux paroles des grands lorsque l'on peut aller chercher au fond de soi-même? Je vous dirai tout simplement ce que mon cœur me dicte. Merci, messieurs. Vive les pompiers de Dell. Vive la France. Et au revoir. Bravo! Et où sont mes nièces? Ça y est, maman est montée. Mais donc, général. Madame. Mais donc, cette dame. Quelle dame? Là. Hein? Mais c'est la dame que j'ai vue hier chez mon neveu. Général. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Je ne l'ai pas invitée, moi. Ah, général. Madame, comme c'est aimable à vous. Oh, excusez-moi de me présenter ainsi, mais je descends du train et je ne me doutais pas qu'il y eut déjà ce soir réception. Mais certainement, comment donc? Je vous en prie, madame. Mais je vais aller me changer, j'ai déjà fait monter ma malle. Ah, eh bien, elle est sans façon, celle-là. J'aurais bien aimé vous amener mon mari, mais il n'a pu m'accompagner. Oh, mais je vous prie de l'excuser. Général. Madame. Voudriez-vous me présenter à ces dames? À ces dames? Oui. Mais avec plaisir, madame. Ah bon. Mesdames, permettez-moi de vous présenter, madame, taratata, n'importe quoi, ce que vous voudrez. Saperlipopette, je ne me rappelle plus du tout du nom qu'on m'a dit en me la présentant, et j'ose pas lui demander, car il y a des gens que cela vexe. Tout ce que je sais, c'est que c'est une excellente amie de ma nièce, madame Petitpont. Une parisienne? Oui, une parisienne. Mais nous serons enchantés! Mais comment donc? Madame? Enchantée? Oh, mais c'est moi, madame, qui? Et allez donc! C'est pas mon père! Oh. Madame Autignol! Madame, allons voir si celle-ci aussi! Mais allez donc!
C'est pas mon père. Oh ben ça alors, ben, ça doit être un usage de la Touraine. Madame Clos. Madame. Et allez donc, c'est pas... Aïe, ouille. Oh, il faut venir en province pour voir ça. Notre excellent ami, la vieille Pierre Chantreau. Ah, et allez donc. C'est pas mon père. Oh, ça alors, le clergé aussi. Mais c'est tout à fait curieux. Oh, excusez-moi, mesdames, de me présenter ainsi, mais je descends de chemin de fer. Mais oui, ah, et puis à la baronne. Ma chère baronne. Permettez-moi de vous présenter Madame Taratata, n'importe quoi ce que vous voudrez. Madame. Et allez donc, c'est pas mon père, puisque c'est l'usage. Excusez-moi, madame, mais j'ai vu mon âge avancer, je ne suis plus tellement dans le mouvement. Oh, mais comment donc? Mais quand même, allez donc, c'est pas mon père. Oh. C'est tout à fait ça. On s'en fout. Maintenant, ne vous occupez plus de rien, je me charge de tout. Ah. Asseyez-vous, je vous prie. Asseyez-vous. Général, asseyez-vous. Non, madame. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Général, asseyez-vous. Non, madame. Asseyez-vous, monsieur l'abbé. Vous avez une petite place. Voilà. Oh, non. Asseyez-vous. Mais quoi, alors on ne fait pas un petit peu de musique, quelque chose pour distraire cette aimable société? Si, j'ai envoyé chercher ma nièce pour qu'elle nous chante quelque chose. Oh, cette chère mignonne, je serai enchantée de l'embrasser. Et aussi, voyez-le bien. Bon, mesdames et messieurs, cette fille est passionnée à vous. Nous attendons la nièce du général pour qu'elle nous chante quelque chose. Non, mais de quoi elle se mêle? Eh bien, c'est très bien, mais je vous prierai dorénavant, madame, de plus vous occuper. Ah non, ne m'appelez pas madame, je vous prie. Ah non. Comment voulez-vous que je vous appelle? Ben, je ne sais pas, moi. Comment appelez-vous votre nièce? Ma nièce? Oui. Ben, j'appelle ma nièce. Eh bien, voilà. Appelez-moi ma nièce. Ça me fera plaisir. Et moi, je vous appellerai mon oncle. Mais oui, ah, mon oncle, mon cher oncle. Ah non, elle est enfermée, celle-là. Ah, vous voilà, les cousines. Eh bien, j'en ai mis du temps. Oui, elle prenait sa leçon, mon oncle. Je prenais ma leçon, mon oncle. Au moins, ça t'a profité. Oh oui, mon oncle. Tant mieux. Et maintenant, ma petite, attendez-vous à une surprise. Une surprise, laquelle? Oh, Mazette, la mère Petitpont. Mais je comprends pourquoi le docteur filait comme un lapin. Chère madame, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter ma nièce Clémentine, la fiancée. Oh, cette mignonne. Tous mes voeux, ma chère enfant. Chère madame. Oui? Inutile de vous présenter mon autre nièce, madame Petitpont. Qui demande s'il faut nous présenter. Elle est bien bonne, ma chère, elle est bien bonne. Non, mais comment, c'est toi? Mais tu vas bien? Mais pas mal. Regarde-moi. Ouh là là, mais ta bonne mine. Hein? Oh, tu sais que ta bonne mine. Hein, n'est-ce pas qu'elle a bonne mine? Elle a bonne mine, oui. Figure-toi, je suis vraiment contente de te voir. Parce que figure-toi, depuis qu'on s'est vu, j'ai une chienne en mire. Ah. Et Mille a été malade, mais alors comme un chien. Ah. Mais bon, heureusement, il a été remis pour le mariage de sa sœur. Ah. Mais oui, tu sais, Jeanne. Jeanne. Eh oui, Jeanne. Ah, bah Jeanne. Mais bien sûr. Eh bien, elle a épousé Gustave. Gustave, tu sais Gustave. Gustave, la bouffie, Gustave. Gustave. Jeanne. Et Gustave. On dit noir un jour, on dit blanc le lendemain, on est des girouettes, on ne l'est pas. Hein, t'es qui? Mais qu'est-ce que t'as? Mais t'as l'air toute drôle. Ah, mais tu veux te mettre à ton aise, qu'est-ce que je te sers? Un thé froid, un verre d'eau, un coca? Une bière. Oh, mais oui. Mais dis ce que tu penses, tu sais, t'es ici chez toi. Oh, elle y est. Je vais chercher ça, tu permets, hein? Oh, mais va donc, mais qu'est-ce que c'est que cette dame-là? Oh, mais elle doit me connaître puisqu'elle me tutoie. Oh, y'a pas, j'ai beau chercher, je ne la connais pas. Si au moins le général avait dit son nom lors des présentations, mais non, il n'a prononcé que le mien. Oh, bah, enfin, tant pis, hein. Tant pis. Ah, dites-moi donc, général. Madame? Dites-moi, quelle est donc cette dame? Quelle dame? Ben, celle à qui vous venez de me présenter. Là-bas? Oui. Oh, oh, elle est bonne! Oh, elle est bonne! Oh, elle est bonne! Que le bon! Madame, pouvez-vous me dire quelle est cette dame à qui le général vient de me présenter? Quelle est cette dame à qui... Oui, vous voulez rire?
C'est très drôle. Vraiment très drôle. Mais je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle dans ma question. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est fou ce qu'on est rieurs par ici. Monsieur Larry, monsieur Larry. Pouvez-vous me dire qui est cette dame-là qui cause avec le général? Là? Oui. C'est Madame Petitpont. Madame Petitpont? Oh, le général est remarié? Oh, je n'avais pas dit ça. Oh, venez voir par ici, mon enfant. Mais venez, que je vous vois, mais que je vous regarde. Oh, mais figurez-vous que je ne me doutais de rien. C'est quoi? Oh, mais c'est la méchante trou qui m'a dit que vous étiez Madame Petitpont. Ah! Mais je ne savais pas que vous étiez la femme du général. Ma chère tante. Oh, mais je suis heureuse. Mais je suis contente. Mais figurez-vous, mesdames, que c'est ma tante. Mais c'est ma tante. Que je suis heureuse. Que je suis contente. Comment est-ce qu'elle nous appelle, ma tante? Oui, oui. Oh, elle est formidable. Figurez-vous que moi, elle m'a demandé à m'appeler mon nom. Mais non. Oui, elle est comme ça, elle est très expansive. Elle ressent le besoin de vous donner des petits noms de famille. Oui, mon frère, les braques. Oh, mais je suis là, je pose. Et pendant ce temps-là, ben, je ne m'habille pas. Je ne serai pas longue. Excusez-moi, je reviens tout de suite, je ne serai pas longue. Va, va. Au revoir, à tout à l'heure. Ma nièce, elle est complètement folle, votre mère. Oui. Alors, ma nièce, vous allez nous chanter quelque chose. Oh, mais non, mais vous n'y pensez pas, je ne chante pas. Alors, vous n'allez pas vous faire prier. Ah, mais je n'aime pas la musique. Oh, si, madame, chantez-nous quelque chose. Ah, ça vous ferait plaisir, Duc. Ah, oui, madame. Ah, je ne peux rien vous refuser. Mais allons, soit. Mais il faut que quelqu'un aille me chercher ma musique. Je vais vous la chercher, ma cousine, dans votre chambre, n'est-ce pas? Non, j'ai descendu ce matin dans la bibliothèque. Ah bon? Alors, tenez, jeunes gens, en attendant, aidez donc à ranger les chaises, ça gagnera du temps. Attendant les partitions, distrayons-nous un peu. Musique! Prenez pas.
ma cousine Germaine. Ah, fut, c'est une virtuose du bimbi. Elle ajoutait tous les trous. Ah oui. Et son chef d'orchestre. Ah, la baguette un peu leste. Mais quand il la joue magistralement, elle jouit de son instrument. Ah, fut, 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 fut. Je ne suis pas celle que vous crie. Ah, fut, 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 fut. Votre fiancé vient justement de partir à Tarradellan. Vraiment, mon général? Oui, alors le fiancé, attendez-moi là. Je vais vous chercher votre fiancé. Je crois qu'elle vous réserve une petite surprise. Je ne vous dis rien que ça. Je... Je crois qu'elle vous réserve une petite surprise. Vraiment, mon général? Je ne vous dis rien que ça. Clémentine! Clémentine! Mais ne m'entends pas! Clémentine! Oh, Clémentine! Petite surprise!
Une paire de pantoufles brodées avec mes initiales. Brodées par elle. Allez, hop. Voilà ce que j'en fais de ta surprise. Ah, ce mariage. C'est vrai, ça, j'aurais mieux fait de ne pas revoir la môme avant-hier. Coucou. Ah, la voilà. Je vous attendais avec impatience, ma chère fiancée. Ah, voilà la grande coca. Hein? Oustique, il était donc qu'il arrive si tard. Ah, d'accord. Venez là qu'on vous regarde. Ah, oh, le petit Zérigoui à sa titine. Oh, ma chute. Il est là. Oupa. Oh, tu aimais donc bien quand la Dakota son coucou, les gros pépères. Oh, mon Dieu, ces mots résonnent à mon oreille comme un refrain déjà entendu. Eh bien, je crois qu'on est à la cool, là. Et allez donc. C'est pas mon père. Et allez donc, c'est pas mon père. Ça y est, je deviens fou. Ou bien j'ai des hallucinations. Une Clémentine. Est-ce vous? Est-ce vous qui parlez de la sorte? Ça vous la coupe, ça. Bidon. Bidon. Mais comment est-ce possible, vous, la pensionnaire naïve? Qui vous a transformé de la sorte? Ah voilà, c'est ma cousine. Ma cousine Petit Pont, que je vous présente. Oh, mon crevette. Alors, mon cousin, est-ce que vous êtes content de mon élève? Vous ici. Vous vous connaissez? Oui, non, enfin, c'est-à-dire que... On s'est rencontrés chez le photographe. Ma chère fiancée, je vous en prie, veuillez nous laisser un moment. Il faut que je m'entretienne avec... Avec votre cousine. Avec votre cousine, voilà. Oh, allez-y. Merci bien. Et allez donc, c'est pas mon père. Eh bien, je crois qu'il est content de ma transformation. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, et toi? Ah, moi, mais non, c'est pas de moi qu'il s'agit, enfin. Mais c'est ta place, ici, dans une famille honnête. Mais t'es encore poli, toi. Ça m'amuse d'assister à ton mariage. Puis après tout, quoi? T'es venu rejoindre ta fiancée? Moi, je suis venue accompagner mon amant. Oh, tais-toi. Ben quoi? Qu'est-ce que ça te fait? T'es pas jaloux, je suppose? Jaloux? Non, je suis pas jaloux. Mais enfin, je t'ai aimé. C'est rien que pour ça, t'avais un peu de délicatesse. Ah, j'ai pas de délicatesse, moi? Bon, mais j'ai pas de délicatesse. Non, t'as pas de délicatesse. Non, t'as pas de délicatesse. Eh ben, celle-là. Est-ce que je t'en ai jamais parlé de mes amants, hein, quand j'étais avec toi? Mais bon, maintenant que tu ne m'aimes plus... Ah, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Mais je ne sais pas si je ne t'aime plus. Eh ben, puisque tu te maries. Hein, qui se marie? Quel mariage? Eh ben, le tien. Ah, oui, ouais. Oh, puis arrête de me parler de ce mariage. C'est vrai, ça, plus j'en approche et plus je recule. Et allez donc, ouf, c'est pas mon père. Te sens-tu encore capable de m'aimer? Ah, on pourrait. Vrai? Ben tiens, maudit, j'envoie tout promener. Ah, tu devrais pas faire une crasse à cette petite, hein? Parce que tu crois qu'elle m'aime? Elle m'épouse comme elle en épouserait un autre parce que son oncle lui a dit. Oui, ça c'est vrai. Hein, comment tu le sais? Parce qu'elle me l'a dit. Non. Clairement. Non, mais j'ai demandé si elle avait de l'amour pour toi et elle m'a répondu. Mais non! L'amour ne doit exister que dans le mariage et comme je ne suis pas encore mariée. Et allez donc, c'est pas mon père. Elle a l'air cruche, hein, complètement fêlée. C'est bien le premier mari qui aura fait tel reproche à sa femme. Non mais, je te demande, quel bonheur peut-on espérer d'un mariage où il n'entre d'amour ni d'un côté ni de l'autre? Ah, le fait c'est... N'est-elle pas plus morale l'union libre de deux amants qui s'aiment plutôt que l'union légitime de deux êtres sans amour? L'amour passé est là pour te répondre. Allez. Mais nous pouvons encore être heureux ensemble. Ne réfléchissons pas. Ne discutons pas. Laissons-nous aller à l'élan qui nous pousse à l'air. Veux-tu encore être à moi? Tu veux? Oui, je veux, oui, je veux. Et tu me seras fidèle. Oh, mais quoi encore? Si tu me seras fidèle, allez, partons, je t'enlève. Partons. Allons soit. Ah, je facile pas en tout. Je m'éteins terre sous ma terre. Et nous filons. C'est ça, c'est ça. Et moi, je vais crier à mon général pour lui rendre sa parole. Et moi, je vais dire à Petit Fond de me renvoyer mes mâles. Qu'est-ce que tu veux pour écrire? Ah, par là. Ouh, qu'est-ce que tu veux écrire à sa maman? Ah, chez toi, ça sonne juste, c'est la petite là, ça avait l'air d'une tradition dans la bouche d'une doublure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et allez donc. Ouh. C'est pas mon père. Ah, ma foi, c'est le ciel qu'il veut, hein? Il m'aurait pas envoyé la tentation pour que j'y résiste. Il me connaît assez pour ça. Chercher.
avec les nez mal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ah, mais quelles sont, Harry, mon Dieu, quelles sont? Ah, mais c'est pas possible, on l'a relâché. Je vois pas. Il est vraiment présent, mais ça va. Oh, comment je pourrais chercher mes clés? Je vois pas. Oh, mon Dieu, le piano qui joue tout seul. Oh, oh, le piano est hanté. Oh, mon Dieu. Oh. Gabriel, Gabriel, je suis ton bon ange. Écoute un peu ma voix et suis mes conseils. Oh, l'ange Gabriel. Oh. Sous cette égide, dont je couvre tes épaules, tu peux braver la malignité des esprits. Mais pour éviter un grand malheur, vite, à l'instant, ce château ensorcelé, emporte ta malle et pars sans regarder en arrière. Merci, oh mon bon ange. Ah, et remercie le ciel. Oui, c'est bon, j'ai moi. Accueille-moi, chien, tu dis pas. Et je vais voir. Mais qui c'est qui a éteint? Mais qui a éteint? Mais qu'est-ce que c'est que ça? La folle. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous voulez me donner Stégite? Donnez-moi Stégite. À moi, Stégite. Là, enfin, j'en suis débarrassé. Plus qu'un précipice au lieu de deux. Sauvez-moi du second. Oula. Oh là là. Menace. Allons bon, parle, je suis prêt à... Ta femme, elle est ici. Non. Si. Ah, mais que c'est bête de me faire des peurs pareilles. Hein? Bah, si c'est pour ça, t'aurais mieux fait de ne pas te déranger. Hein. Mais comment ça, tu le savais déjà? Mais ça fait une heure qu'elle est là. Oh, puisque j'ai eu du mal à m'en défaire. Oh, mais j'en ai le pressentiment, hein. C'est fait alors. Oh, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais n'est-ce pas? Quand j'ai su qu'elle venait ici, je me suis dit, il faut que j'aille prévenir Petit Pont. Donc du coup, j'ai couru à la gare, j'ai demandé à quelle heure partait le premier train, j'ai sauté dedans en me disant, c'est bon, j'arriverai avant elle. Mais je n'ai pas réfléchi que le premier train était un omnibus, tandis que le second était un express. Du coup, pour rattraper mon retard, ben, j'ai emprunté ce vélo à la oui, gare. Oui, mais pas de théorie, voilà. Oui, bon, puisque tout s'est bien passé. Ah bon, comment ça, tout s'est bien passé? Ah, et la bombe que tu oublies, hein, qui fait pas ta caisse, tu pas ta caisse. Ah, mon ami, il n'y a pas de se me tirer de là. Va trouver le général, dis-lui que t'es venu me chercher pour une opération qui ne souffre d'aucun retard. J'invoque l'urgence, j'embarque la bombe, puis le reste m'en charge. Va, et tu ça marche. Non, par là, dans le jardin, avec ses invités. Tu as bien besoin de me mettre dans ce pétrin, là. Voyons, il n'y a pas un valet de pied pour faire porter ma lettre. Ah, monsieur Corignon. Monsieur Petit Pont. Ah, que je vous avertisse, je crois que c'est mon droit. Oui. Non, je... La bombe est ici! Oh, mais non! Merci! Mais non! Merci! Mais non! Merci! Eh bien, mon Dieu, grand bien lui fasse! Bah! Mais ça ne vous effraie pas! Mais moi, j'aimerais l'avoir à 100 lieues d'ici! Eh bien, le ciel vous fera peut-être cette surprise! Oh! Le ciel vous entend! Mais pardonnez-moi, je suis un peu pressé! Ah, mais! Puisque vous êtes là, voulez-vous me rendre un service? Moi? Oui! Voulez-vous donner cette lettre au général quand vous le verrez? Mais comment donc, c'est entendu? Merci bien! Ah, vous voilà! Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Sa grand-mère, sans doute. Oh, Lucien. Oh, mais c'est pas possible, là, voilà. Oh, toi ici. Oh, oh. Oui, hein, je t'explique. Oh, oh, Lucien, ne me quitte pas. Sauve-moi, sauve-moi, Lucien. Le château est possédé du démon. Oui, 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 calme-toi. Oh, calme-toi, oh, là. Nous allons partir, maintenant, maintenant. Et moi, chien général. Ils sont partis. Lucien, madame Petit Pont est une drôlesse. Hein? Quoi? Madame Petit Pont est une drôlesse? Étonnée. Oh ben ça alors! Mort de ma vie, c'est la première fois qu'une femme ose porter la main sur moi pour un pareil motif. À vous, général, je vous cherchais. Ah, vous tombez bien, vous, monsieur. Vous êtes responsable des actes de votre part. Je suis à vos ordres, monsieur. Viens-moi, suis-moi. Ah, ça, c'est...
regarde. Qui s'est déroulée, au lieu de partir avec moi justement indigné, eh bien non, il me plante là et prend le train avec le général. Oh, c'est un manque d'égard. Oh. Madame. C'est monsieur. Non, c'est un jeune homme. Ah, moi, que ce ne soit absolument urgent, je n'y suis pour personne. Ah, j'ai bien la tête à recevoir des visites. Tiens. Je répète à monsieur que madame arrive à l'instant de voyage et après une nuit de chemin de fer, je dirais que c'est urgent. Madame. Oui, je vous avais dit que je n'y étais pour personne. Madame. Le duc de Valmonté ? Lui-même, madame. Ah. Eh oui, mais oui, c'est vous que j'ai vu l'autre soir à la soirée du général Petit Pont du Grenier quand je suis arrivée. En effet, madame, c'est là que j'ai eu le plaisir de vous voir. Et madame Petit Pont va bien ? Mais pas mal, merci. Un peu fatiguée par le voyage et en plein dans la riade Emma. Oh, comme c'est ennuyeux. Mais enfin, elle n'est pas souffrante. Qui ? Ben, madame Petit Pont. Quelle drôle de façon de parler à la troisième personne. Non, merci. Ah, tant mieux, tant mieux. Bien charmante soirée, n'est-ce pas, chez le général? Charmante, en effet. Ah, quel beau pays que la Touraine. Le verger de la France. Et si elle croit que ça m'amuse de bavarder comme ça avec elle, celle-là. Voulez-vous me permettre, madame? Oh, merci. Ah, non, non, non. Je vais vous poser une question. Mais certainement. Est-ce qu'il faut longtemps pour défaire des mâles? Mais je ne sais pas, moi, quand on n'est pas dérangé. Mais enfin, monsieur, je suppose que vous n'êtes pas venu ici pour me parler de la Touraine et du temps qu'il faut pour défaire des mâles. Non, non, pas du tout, mais je vois que madame Petit Pont est occupée. Je veux pas la déranger, moi, du monde. Hein. Je reviendrai. Bon, qu'est-ce que c'est que ce toqué-là? Oh, ben, elle vient me déranger pour me dire que la Touraine est le verger de la France. Ah oh, non, mais il en a un toupé. Qu'est-ce qui a sonné tout à l'heure? Oh, Lucien! Ah ben, sans toi, puis quand es-tu arrivé? Oh, 10 minutes, mais Étienne m'a dit que t'étais sorti. Moi, mais pas du tout, mais enfin, mais si. Alors... J'étais sorti pour remettre une lettre à un commissionnaire, mais il y a 25 minutes de ça, monsieur. D'accord. Ah ben, te voilà! Oh ben, t'en as fait une peine, hein! Oh ben, comment ça, quand ça? Mais là-bas, chez mon oncle! Oh ben, ben, arrête celle-là! Oh ben, c'est bien à toi de me faire des reproches! Mais évidemment, te permettre de lever la main sur mon oncle! Oh ben, t'aurais peut-être voulu que j'accepte de sang-froid ces insultes! Mais il n'y a jamais eu l'intention de t'insulter! Et Mongicourt, hein, ce pauvre Mongicourt qui ne lui avait rien fait! Ah, oh, il en a ragé pendant tout le voyage. C'est peut-être aussi par gracieuseté qu'il lui a envoyé sa main sur la figure. Une gracieuseté? Mais madame, évidemment non, il ne s'agit pas d'une gracieuseté. Mais enfin, quand on reçoit une gifle, mais on éprouve le besoin de la rendre, c'est humain, ça. Ben, t'étais là, il n'avait qu'à te la rendre. À moi? Oh, mais j'aurais mieux fait de ne jamais mettre les pieds dans son sale château. Tout ça pour finir par me faire traiter de drôlesse. Mais pourquoi as-tu pris ça pour toi? Il parlait peut-être d'une autre personne. Ah, mais tu as raison. Il parlait de ta tante. De ma tante, voilà. Oh, pardonne-moi, pauvre tante, si tu m'entends là-haut. Oh, la
pauvre, comme ce malheureux, une femme si charmante. Mais c'est vrai que je l'avais trouvée un petit peu drôle. Comment tu l'avais trouvée? Mais tu ne l'as jamais vue. Le général nous a présenté. Hein, il nous a présenté? Ah ben alors là, ça, moi je n'y suis plus. Elle a vu ma tante qui n'est plus depuis 8 ans, puis c'est mon oncle qui lui a présenté. Mais t'es bien sûr que c'est mon oncle? Oui, bien sûr. Voici un bouquet et une lettre pour madame. Pour moi? C'est ta fête? Pas que je sache. C'est le jeune homme de tout à l'heure qui m'a dit de remettre ce bouquet en main propre à madame avec ce mot qu'il vient d'écrire. À moi? Oh, mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Attends, donne, j'ai dit. Ah non, laisse, je suis assez grande pour le lire. Ah, oh, ça, mais il est fou. Oh, mais regarde-moi ça, ce qu'il m'a écrit, cet imbécile. Quoi donc? Ah, madame, depuis que votre voix enchanteresse m'a dit des paroles d'amour, mon cœur est plein de vous. Hein? Des paroles d'amour, moi. Oh, il en a un toupet. Oh, pourquoi, hélas, pourquoi faut-il que ma sotte timidité ait paralysé ma langue? Hein? Quoi? Vous étiez bien encourageant, cependant. Qu'est-ce que tu dis? Oh, mais c'est de la folie. Mais jamais. Je vous embrasse à pleine bouche. Oh, Gabriel, à ton âge. Toi, t'es tourné le tout comme à le monter, toi. Mais tu es fou. Mais tu es fou! À peine si je lui ai dit deux mots chez ton nom! Et quel mot! Le général n'est pas là, non? Profitons-en pour monter mes mal! Je ne vois vraiment pas dans ses paroles! Les paroles ne signifient rien, c'est l'intonation qui fait tout! Tu lui as peut-être dit ça d'un air provocant! Je vais voir si on monte mes mal! On peut tout dire avec la voix! Puis c'est souvent que ton petit rire qu'on dit le plus de gens! Oh, mais je t'assure que rien dans ma voix! Allons donc! Comme il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de fume de feu sans allumage. Oh, mais je te jure, Lucien, je te jure que je n'ai rien allumé. Ouais, ben, veux-tu me laisser congé de vous, ma chère amie? Tiens, toi, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te souviens pas ce qui s'est passé entre ton oncle et moi? Ah, oh, ton oncle, à propos de rien et sans provocation de ma part, m'administre une paire de gifles. Oui, mais alors, là, pardon, mais t'as mal compté parce que... Ah, parce qu'en plus, tu t'imagines que ça va en rester là? Mais quoi, un duel? Hey, un duel! Ah. Ah, mais ça, c'est embêtant, mais c'est embêtant! À qui le dis-tu, hein? Écoute, mon cher, je regrette vivement que l'affaire ait lieu avec le général, parce que tu comprends. Étant donné le lien de famille... Il m'a giflé, et ça à cause de ta femme! Mais oui, parce qu'il croyait que t'étais son mari! Ouais, ben justement, hein, ce rôle, j'en ai jusque-là! Je dois aller trouver ton oncle, je lui dis toute la vérité! Ah non, je t'en... Ne complique pas tout! Ma femme ne se doute de rien, puis lui, le général, est toujours confiant dans son erreur. Actuellement, j'ai pris mes dispositions pour que rien ne vienne modifier la situation. J'ai écrit ce matin au général pour lui dire que je pardonnais à ma femme et que pour sceller la réconciliation, je l'emmène dès ce soir en Italie. Toi, hein? Oui, dans une heure, je recevrai une dépêche de Rome del dottore Trudinelli, ainsi conçu, être prié de venir en consultation auprès du Saint-Père qui réclame vos lumières. Signé Trudinelli. Comment le sais-tu? C'est parce que c'est moi qui l'ai écrit. Et c'est ce plan si bien combiné que tu voudrais tout détruire en allant manger le morceau près de mon oncle. Mais enfin, tu ne peux pourtant pas me demander, pour t'être agréable, de prendre ma gifle, de la mettre dans ma poche avec mon mouchoir par-dessus, non? Oh, mais qui c'est qui te demande ça? Attention, voilà le général. Ah, il est là! Moi, j'allais lui dire, moi, hein? Non, pas toi, parce que je lui dirai moi. Ok, et tu te charges d'arranger? Ah oui, je me charge d'arranger. Bon, eh bien maintenant, allez prévenir le docteur que le général le demande. Le général et madame? Non, ne parlez pas de madame. Dites le général, tout simplement. Mais au fait, il vaut peut-être mieux que je lui parle avant. Tenez, allez m'attendre dans le petit salon, je vous appellerai au moment voulu. C'est ça, mon oncle, vous m'appellerez. Eh bien maintenant, il doit avoir une surprise. Entrez. La conférence est terminée? Sapristi, la foule. Le général. Mais qu'est-ce qu'elle fiche donc toujours chez mon neveu, celle-là? Général, que je suis heureuse! Oh, madame, je vous en prie, après ce qui s'est passé entre nous! Mais comment, mon oncle, vous y pensez encore? Oh, mais je vous en demande bien sincèrement pardon! Eh bien, soit, madame, devant l'expression de vos regrets. Oh, général... Mais à la condition, cependant, que votre mari confirme vos excuses, tout en y ajoutant les siennes! Oh, si ce n'est que ça, il vous les fera! Vous comprenez, moi, j'ai giflé votre mari! Hein? Mais il me l'avait pas dit! Parbleu, qui s'en est pas vanté! Mais moi, au fond, j'en veux pas! Ah, Lucien, ça y est, nous nous sommes expliqués avec le général. Il est bon, il m'a pardonné. Oui! À condition que votre mari me fasse des excuses. Oh, mais comment donc, ça c'est un entendu? Oui, mais ça c'est son affaire. Oh, mais dis donc, tu ne m'avais pas dit que le général t'avait giflé? Oh, mais c'est si gentiment. Oh, mais hé, oh!
C'est pas possible, t'en pinces pour elle. Moi, mais pourquoi? Chaque fois qu'on vient ici, on la trouve. Sais-tu que si elle était moins blette, ça donnera jasé? Oh, non! Mais je ne suis pas venu ici pour te parler de ça. Ah, comment ça? Lucien, je viens te prêcher la conciliation. Oh, mais alors ça, mon oncle, c'est tellement mon avis que je vous ai écrit ce matin. Il ne... Pour vous dire que je pardonnais à ma femme. Et que pour sceller la conciliation, je l'emmenais des sorts en Italie. Il ne s'est rien passé entre ta femme et Corignon. Oui, oh! J'en ai eu la certitude, je viens te dire, oublie et pardonne. Oui, ben ça, je vous ai dit, j'ai écrit une lettre, là, pour vous dire que je lui pardonnais, et que pour sceller la réconciliation, il a chéré comme ça, je l'emmène en Italie, là. Bien, alors venez, mon enfant, venez, et jetez-vous dans les bras de votre mari, je vous pardonne. Ah, Lucien! Ah, mais non, mais ça ne doit pas commencer, mais là, je ne peux plus la voir. Ah, mais voyons, mais tu perds la tête. Oui, mais emmenez-la, je vous dis, je l'ai assez vu, emmenez-la, là. Non, non, mais écoute, à tout ce que je fais, moi, c'est pour le général, hein. Moi, après tout, je m'en fous. Mais qu'il reste donc avec sa vieille peau. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Bonsoir. Mais qu'est-ce qu'il... Tenez, allez m'attendre dans le petit salon. Oh, oui, ben, je l'ai assez vu, le petit salon, hein. Mais si, mon enfant, mais si, je vous en prie. Eh ben, qu'est-ce qu'il te prend, tu deviens fou? Tu me dis que tu lui pardonnes, que tu l'emmènes en Italie, puis quand j'achète dans tes bras, voilà comment tu l'accueilles? Oui, mais après ce qui s'est passé hier soir. Mais puisque je te dis qu'il ne s'est rien passé. Ah, ben ça, vous avez raison. Appelez-la donc et que tout soit fini. Je l'afficherai à la porte dès qu'il sera parti, voilà tout. Ah, si je n'étais pas là pour tout arranger. Monsieur? Oui, quoi? Il y a deux messieurs qui sont déjà venus avant-hier. Et quels deux messieurs? Ah oui, c'est une bête Corignon. Moi? Oui, je lui ai dit que t'attendais ses témoins. Mais pas du tout, mais en voilà une idée. C'est bien, dites à ces messieurs d'attendre dans le petit salon. Non, non, madame Yé, dans la salle à manger. Et puis dites à madame Petitpont, à madame Petitpont, que le général la demande. Mais non! Mais si, voyons. Ah, on vient de ce côté, ça doit être ta femme, tu vas pas recommencer comme avant, hein? Ah, Gabriel, voilà tout ce que je fais. Allons bon, encore la folle. Mais non, madame, mais oui, non. Mais c'est il se tutoie. Mais non. Oh, Étienne m'a dit que le général me faisait demander dans ton cabinet. Ah, mais quel idiot. Il m'envoie, madame, son machin. Trop court, machin, court, là. Toi, attends-moi, je vais chercher ta femme. Oui, je sais. Allez. Je reviens. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait chercher? Il a rien sa pipe. Il va chercher sa bonne. Mais non, il a dit ta femme. Mais parfaitement, ta femme. C'est comme ça que ça s'appelle en Algérie, ça veut dire pipe en arabe. Oui, oui d'ailleurs, on dit, je fume moi à ta femme. Ah, attendez, vous allez voir. Eh bien quoi, il s'en va au moment où nous arrivons. Mais venez, mon enfant, venez, je vous rends votre mari aussi amoureux et empressé que par le passé. Ah, mais vous savez, général, moi, tout ce que je fais, c'est pour vous, hein? Alors, pas de nez, hein? Pas de nez, ma petite, pas de nez. Non, vous êtes bon, vous, général. Vous me comprenez? Ah oui, je suis bon. Allons, ma nièce, embrassez donc votre oncle. Ah, mon oncle, avec joie. Ah, mon oncle. Ah, ce baiser m'a fait du bien! Ah, si elle n'était pas ma nièce! Quel nom de nom! C'est un homme comme vous qui m'aurait fallu, général! Un homme qui me comprit! Ah, je vous assure qu'avec vous... Pourquoi, mon neveu? Il ne vous comprendrait pas, lui? Pour ce que je lui suis! Hein? Est-il possible? Il vous trompe et pour une autre? Ne parlons pas de ça! Ah, nom de nom! Mais je comprends maintenant pourquoi de votre coup de tête! Ah, pauvre innocente, que le ménage ainsi disloqué par l'incurie des maris. Général, Ah, nom de nom. Et c'est cette petite femme que son mari, par son indifférence, laisserait de côté? Non, et je ne veux surtout pas d'un autre. Un autre ne l'aura pas. Tenez, mon enfant, attendez-moi là. Moi, je vais lui parler à votre mari. Et nous verrons. Mais si je m'en mêle, 1 000 000 de tonnerres. Ah, mais je la comprends pas. C'est elle qui m'a demandé de venir. Je lui fais dire que je suis là, puis elle m'envoie la vieille. Oh, madame, vous étiez là. Moi qui désespérais de vous voir. Ah, je suis bien heureux. J'ai beaucoup pensé à vous depuis hier. Aussi, j'ai eu de cesse.
J'ai dit à maman que je venais vous voir et elle m'a chargé de vous présenter ses bons souvenirs. Alors, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous regardez comme ça? Mais qu'est-ce qu'elle regarde? Ah, vous me faites une blague! Ah, madame, je vous préviens que si vous me faites une blague, je vais me venger. Mais en vous embrassant, bien sûr. Oh, vous pouvez sourire, hein? Vous me connaissez pas quand une fois je m'y mets? Une fois? Deux fois? Non, vous voulez pas me répondre? Oh, ben tiens. Quoi? Y'a pas de quoi! Y'a pas de quoi qui tienne! Allez, mes enfants, vous voilà en présence! Pas d'explication! Embrassez-vous! Enfin, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, dans mes bras, ma femme! Ah, Lucien! Oh, mon bouquet! Ah! Oh, que nous d'un chien, ma femme! Ça y est, voilà la louvetagne! Oh, mais comment, mais c'est toi! C'est toi qui es là! Oh, mais ma femme, tutoie la bombe! Je suis contente de te voir, mais comme je suis ravie! Oh, ma tante! Mais qu'est-ce qu'elle dit? Oh, ma tante, ma chère tante! Ça y est, voilà la crise! Oh, mais comme je suis ravie! Oh, mais au fait, je ne t'ai pas dit! Je ne t'ai pas dit ce qui s'est passé! Oui, mais ça, c'est pas la peine, parce que nous savons! Oh, mais ma tante ne sait pas! Oui, mais alors pas ici, parce que c'est pas le moment! Oh, mais comme tu voudras! Viens, je t'emmène dans ma chambre, je te raconte ce qui... Mais non, mais... Oh, merci, je te laisse avec le général et j'emmène ma tante! Allons, voyons! Viens, ma tante, ma chère! Ah, parce qu'elle m'embête, ma pièce! Ah mon Dieu, moi il me semble que je t'invite dans un vrai ripu. C'est pas pour dire, mais elle est vraiment marteau, hein, que ça manie de parenté. Oui, elle est un peu marteau. Mais laissons cette échappée de cabanon. Et parlons un peu de toi. Lucien, tu ne saurais croire combien je suis content de t'en ramener ta femme. Ma femme? Oh, ben, moi donc. Quand on pense que tu délaisses une petite femme comme ça. Mais elle est adorable, idiot. Elle est esquisse, brute. Mais tu veux donc qu'un autre te la souffle d'attendre? Oh, mais dites donc, mon nom, vous me paraissez bien en bas, Lille, hein? Ah, mais moi, je ne le cache pas. Si elle n'était pas ta femme, si elle n'était pas ma nièce, et allez, hop, c'est pas mon père. Ah, et qu'est-ce que vous feriez, donc? Eh ben, je ne sais pas, mais je crois que je serais capable, nom d'une brique, de t'avantager sur mon testament. Non! Votre parole! Ma parole! Ah, nous d'un chien, il m'a qui me donnait tout ce mal. Ah, mais alors, oh, mais soyez heureux, mon bon oncle, elle n'est pas ma femme. Ah non, ça va pas recommencer. Mais donc, si tu dois me la faire comme ça tous les deux. Mais oh, si, mais je vous assure. Mais je vous assure. Allons, assez, je n'aime pas les blagues. Surtout quand c'est pas moi qui les raconte. Ah, c'est pas ta femme? Eh ben, nous allons bien voir. Dis donc, vous là. Je sais pas du tout comment vous vous appelez. Mais de qui, madame Petitpont, est-elle la femme? De monsieur Petitpont? Là, je le savais bien. Est-ce qu'il est bête? Oh, allons bon, là, oh, ben après tout, c'est moi qui me bats. Je choisis mon arc. Qu'est-ce que j'entends? Oh non, Lucien, tu as un duel? Oh non, je ne veux pas. Tu te bats, Lucien, je ne veux pas. Oh, alors Dieu. Toi, laisse-moi. Oh, mais non, mais Lucien, passe à moi qui t'aime. Oh, Lucien. Et c'est pour des femmes comme ça que les maris délaissent le foyer conjugal? Ah, c'est bien, messieurs. Ah, mais je comprends tout maintenant. C'est tutoiement, sa présence continuelle ici. Madame est ta maîtresse. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Laisse-moi tranquille. Mais mon oncle. Moi, sa maîtresse? Oui, mets-toi à l'endroit de te mettre. Venez, mon enfant, venez. Et apprenez à connaître celle que vous appelez votre amie. Elle vous trompe avec votre mari. Aïe! Mais je suis sa femme. Vous? Oui, non, mais elle est une Laisse-moi tranquille, ta femme, la voici. Mais elle, mais c'est votre femme. Oui, non, mais Ma femme est... Ma femme est... Non, mais laissez-moi rire. Oh, mais général, expliquez-vous. Non, pas d'explication. Ah, vous, général, il faut que je vous parle. Ah, mon gicourt, à présent, tout est perdu. Non, monsieur, non, pas d'explication. Mais permettez. Inutile, monsieur, après ce qu'a fait votre femme. Mais qui ça, ma femme? Où ça? Mais madame. Elle, mais c'est pas moi. Femme, à la fin. Oh, mais puisque je vous dis que je suis la femme du docteur Petitpont. Ça l'a vu, je vous tourne le camp. Eh bien, ça ne prend plus. Vous pensez bien que je la connais. Je la connais, la femme de mon neveu, puisqu'il l'a amenée avec lui dans mon château de la Mandrôle en Touraine. Il l'a amenée avec lui? Mais parfaitement. De même que je sais très bien que vous êtes la femme de ce monsieur, son machin est trop court, machin court. Non, mais c'est le genre ici, hein. De toujours vouloir prétendre que vos femmes ne sont pas vos femmes, à tel point que vous en arriveriez à me faire croire que la femme de mon neveu est ma femme. Non, mais vous comprenez que cela dépasse les bornes. Oh, mais général, explique-moi. Alors, assez de blagues comme ça. Non, mais vouloir me persuader qu'elle est ma femme, non, mais ça suffit. Mais où est-elle déjà? Ma nièce. Général, ma nièce. Voyons. Allez, rampez, ma nièce. Ma nièce. Par exemple, celle-ci, hein. Oh, c'est trop
monsieur rigole. Ah oh, non, mais je. Attends, ah, le général m'a tout dit. Ah, ah, tout est fini entre nous. Je reprends ma vue jeune fille. Gabriel, voyons. Oh, il n'y a pas de voyons, Gabriel. Je te dicte mes volontés et tu te soumets. C'est bien. Ouais. Je quitte la maison. Bon. Nous divorçons. Bon. Je reprends ma fortune. Bon. Oh. On en tout alors. Tout. Tout. Oh. Et maintenant, hors de ma vue. Bon, eh ben je retourne chez ma nourrice. Oh, elle est morte. Ma nourrice reste ici. Oh non, hors de ma vue, je ne vais plus te voir. Oh, mais c'est pas vrai. Oh. Vous avez été dur avec ce pauvre petit pont, non? Oh, jamais trop. Ah, si vous croyez m'apitoyer sur son sort. Ah, monsieur veut faire le gondin à son âge. Ah, je ne lui suffis pas. Eh bien, qu'il aille se faire consommer ailleurs. Mais... Le duc de Valmonté. Ah, oh, j'espère que c'est fort. Ah, duc. Ah, duc. Ah, duc. Ah, duc. Oh, vous pouvez vous vanter d'arriver au moment psychologique. Oh, vous m'avez écrit que vous m'aimiez. Moi? Allez, ne vous en défendez pas. Oh, je ne serai pas cruelle. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Oh, tout d'abord, une fleur de ce bouquet. Oh, mais madame, vous abîmez mon bouquet. Comme emblème d'amour. Non. Et moi maintenant, emmenez-moi. Je suis à vous. Duc, je suis à vous. Oh, oh, oh. Oh, venez, duc, venez, venez. Venez. Ah. C'est une femme, une femme qui a soif de vengeance, non, qui vous le demande, en déchirant. Maman! Maman, maman. Vous êtes sauvés? On dirait bien, ouais. Ah ben les voilà bien les hommes, tiens. 10 heures de belles paroles et quand on les prend au mot. Ah, c'est une pièce. Gabriela! Gabriela! Oh mon Dieu! Oh! L'ange Gabriel! Qui m'appelle? Qui m'appelle? Ma, sono où? Sono io e tu, Angelo, no? Oh, l'ange Gabriel, je reconnais sa voix! Petit pont! Ma tu stai zitto che mi ne occupi! Gabriela! Gabriela! Oh, je t'écoute, oh mon bon ange! Gabriel! Ma che cazzo mi stai combinando? Ma basta con tutte quelle stronze! Quindi tu esti il come... Pistone! Oh, on s'est moqué de moi! Oh, ben, général, ben, il tombe bien! Mais qu'est-ce que c'est, ça? Oh, oh, que miseria! Oh, tu es trop... Oh, mais je t'aurai! Que scélérat! Ah, tu te joues de moi! Ah, tu te faisais passer pour l'homme, Gabriel! Ah, attends que je t'attrape! Gabriel! Gabriel, va péter! Ah, Lucien! Viens ici! Ce pauvre petit pont! Eh bien, je crois qu'elle doit être édifiée sur ses apparitions! Ça ne me donne pourtant pas envie de rire! Ah, monsieur mon neveu! Vous voulez mystifier le monde! Mais tout finit toujours par se découvrir! Et vous venez d'en avoir la preuve! Et à ce propos, monsieur, je vous fais toutes mes excuses. À moi, général? Oui, je sais tout. Cette chère petite enfant m'a tout dit. Figurez-vous qu'elle ne connaît pas l'Afrique. Elle est adorable. Vous n'êtes pas le mari de madame Mougicourt. Mais non, puisque c'est la femme de monsieur Petitpont. Oui, ça je sais, Meyer, n'est-ce pas? J'ignorais, alors je vous ai envoyé. Oui! Qu'est-ce que vous voulez? Je sais bien qu'une gifle est une gifle. Mais l'insulte n'est pas dans le fait, mais dans l'intention. Ici, elle ne s'adressait à vous que du moment que je pensais que vous étiez le mari de la femme qui m'avait... Oui! Oh, vous ne l'êtes pas. Cette gifle n'est donc pas un affront, ce n'est qu'une commission. Comment ça? Et le vrai destinataire est mon neveu Petit Pont, vous n'avez qu'à lui faire parvenir. Mais c'est vrai, ça? Pardonnez-moi ce dit mensonge, mais il a fallu pour convaincre ma femme. Il y a gardé. Ah, te voilà, toi. Je sais tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ta chère enfant, tu m'as fait passer pour ta femme, n'a jamais été ta femme. Hein? Ta femme, c'est madame. Mais... Bien sûr. Excusez-le, général. C'est par abnégation qu'il a fait passer cette femme pour la sienne. C'est parce qu'il savait qu'elle était la maîtresse du lieutenant Corignon et qu'il voulait empêcher la rupture du mariage et un scandale qu'il a fait ce pieux mensonge. Je ne sais qu'une chose, il s'est moqué de moi. Oh. Ça suffit. Bon, Mathieu. Voilà, bébé, je te suis.
moi, je me suis arrangé, tu sais, avec ton oncle, pour l'affaire. Hey, nous avons trouvé une solution qui concilie tout le monde. C'est de considérer la gifle non comme un affront, mais comme une commission. Excellente idée. Ça te va? Parfait. Oh, oh, c'est de la part du général. Et elle est donc...